Le grand jour est enfin arrivé. CST ce samedi 17 décembre 2022 Quest diffusait la cérémonie Miss France 2023. Les 30 prétendantes au titre feront tout pour succéder à Diane Lair, Miss France 2022, au terme de la soirée. Mais elles ne sont pas les seules à avoir attiré l'œil des téléspectateurs de TF1 ce soir. Le coup d'envoi de la nouvelle cérémonie a été donné par l'emblématique présentateur Jean-Pierre Foucault, ainsi que Sylvie Tellier qui vivait sa dernière cérémonie à ses côtés. CST en effet Sinody Fabre qui reprendra officiellement le flambeau après cette belle soirée placée sous le signe du cinéma et organisée dans la salle de spectacle M. A.CH 36 situé dans la ville de Déols, au nord de Châteauroux, en région Centre-Val de Loire. Miss Normandie, Perrine Prunier, Miss Champagne-Ardenne, Solène Scholler, Miss Corse, Oriane Meloni, ou encore Miss Nord-Pas-de-Calais ont défilé sur scène afin de faire forte impression au public, mais également au jury. Cette année, il est composé de 3 hommes et de 3 femmes. Les téléspectateurs pourront ainsi compter sur la présence de la judokatée française médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Clarisse Agbenianou, du producteur et acteur Dominique Besnéard, du comédien Arnaud Ducret, du chanteur Kenji Girac, de l'humoriste et chanteuse Bérangère Criff ainsi que de Marine L'Orphelin, Miss France 2013. Enfin, la présidence de ce jury a été confiée à Francis Huster. Et l'un de ses fait fortement remarquer lors de la cérémonie. Marine L'Orphelin fait sensation, il s'agit de Marine L'Orphelin. Dès le début de la cérémonie, Miss France 2013 s'est fait remarquer pour sa tenue. La jeune femme a misé sur une robe à paillettes colorée et très décolletée. Cela lui a d'ailleurs valu une petite remarque de Jean-Pierre Foucault. Le présentateur a en effet demandé si d'ordinaire, l'ancienne reine de beauté qui est médecin consultait dans cette tenue. Sur Twitter, les internautes n'ont pas tardé à réagir à sa sublime tenue. Marine L'Orphelin est vraiment un sublime, Marine L'Orphelin l'une des plus belles hashtags Miss France de ces dernières années, Marine L'Orphelin est toujours aussi fraîche qu'au soir de son élection hashtag Miss France 2023, Marine L'Orphelin si est-il vraiment un missile, par contre Marine L'Orphelin. Rien à dire, la robe de Marine L'Orphelin est incroyable purée, a-t-on notamment pu lire.